comprenez, c'est pas comme ça. Président Jovenel Moïse. Père à son âme. Ancien président Jovenel Moïse, que nous regrettons, Jean criminel. Oui, que nous regrettons dans condition ça. Et pareil, que nous condamnons. Oui, nous condamnons. Moi, je suis toujours ouvertement condamné, condition pareil, vous prenez là. Vous comprenez? Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est égal fait. 18 novembre, c'est le dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans le pays. Il n'y a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est légal fait. Ou bien la mobilité jusqu'à ce que 7 février 2022 arrive, Michel. Il n'est pas privé. Bon, garantie, il n'est pas privé, Marco. Tu mets donc seul jour que tu as fait, Michel. Non, c'est pour seul jour. Jovenel Bralé. Jovenel Bralé parce que ça qu'a fait là. Ouais, nous avons ensemble, nous avons une série d'activités qu'a fait là. Bon côté la privée, la tellement gros dans mes Jovenel, la tellement gros dans mes secteurs privés, il n'y a pas même qu'à camper là pour regarder. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est légal fait. Et c'est le dernier 18 novembre que Jovenel parle pour le web en deux pays. Merci tout. Président Jovenel Moïse. Père à son âme. Pour oublier, parce que l'on a des difficultés, c'est les soirées, mon caveau. Liliane n'a pas qu'à joindre téléphone est fermé. Niveau et message, bah, tonton, côté le cas, joindre. Liliane est ma tante, moi. Liliane est tout le monde pour joindre, jusqu'à ce qu'elle nous joigne, elle va laver, mais tellement content, elle va laver. Radio Liliane, là, c'est dévoré, l'a dévoré. Réclame sur Genève, passé pire, malgré m'a pas payé. M'a gagné comme. Parler sur Genève chaque jour défendre. Marvel fan Bouddha. Jean Mouna c'est dévorer mon bon. Donc, pays a gagné mon toujours. Et c'est dans ce moment ça où on a monté l'équipe parce qu'on est qui est-ce qui compte avoir. Secteur populaire quand il est dans le dôme. Kato dévorer mon bon. Donc, mon ça, il est avec. Au Nicolas, il offre toute qualité de job. Poste pour lui était dans le gouvernement refusé. Il était dit, la fond, moi, elle va parler. Monsieur prend la presse matin, il dit le pas qu'à fond, moi, pas parler, les lois, ça qu'a privé les VOB. Parce qu'après les VOB, c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur couru les derrière, c'est le peuple privé. Donc, ouais, c'est dans le moment ça où qui moune dans le pays. Renault pas moune. Monsieur, c'est intérêt, mais ce qui est poche, lui, l'argent fait comme, c'est l'argent seulement qui est intéressé. Moi-même, bah, c'est vraiment ça. Ça, c'est toilette papier hygiénique. Président Jovenel Moïse. Père à son âme. Ancien président Jovenel Moïse, que nous regrettons, Jean criminel. Oui, que nous regrettons, c'est en condition ça. Et pareil, que nous condamnons. Oui, nous condamnons. Moi, je suis toujours ouvertement condamné, condition pareil, vous prenez là. Vous comprenez? C'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est légal fait. 18 novembre, c'est le dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans le pays. Il n'y a pas de chance pour l'autre 18 novembre encore. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est légal fait. Ou bien la mobilité jusqu'à ce que 7 février 2022 arrive, Michel. Il n'est pas privé. Bon, garantie, il n'est pas privé, Marco. Tu mets donc seul jour que tu as fait, Michel. Non, c'est pour seul jour. Jovenel Bralé parce que ça qu'a fait là. Ouais, nous avons ensemble, nous avons une série d'activités qu'a fait là. Bon côté la privée, la tellement gros dans mes Jovenel, la tellement gros dans mes secteurs privés, il n'y a pas même qu'à camper là pour regarder. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons le monde pour venir corriger ça, ça est légal fait. Et c'est le dernier 18 novembre que Jovenel parle pour le web en deux pays. Merci tout. Pour oublier, parce que l'on a des difficultés, c'est les soirées, mon caveau. Liliane n'a pas qu'à joindre téléphone est fermé. Niveau et message, bah, et tonton, côté le cas, joigne-moi. Lire les ma tante, moi. Lire les tout le monde pour joindre, jusqu'à ce qu'elle nous joigne, elle va laver, mais tellement content, va laver. Radio Liliane, là, c'est dévoré. Réclame sur Genève, passer pire, malgré m'a pas payé. M'a gagné comme. Parler sur Genève, chaque jour défendre. Marvel, fan Bouddha. Jean Mouna, c'est dévoré mon bon moi. Donc, pays a gagné mon toujours. Et c'est dans le moment ça où on a monté l'équipe, parce qu'on est qui est-ce qui compte avoir. Secteur populaire quand il est dans le dôme.
kato dévoré moun pou mwen. Donc moun sa yo yo est avec. Ou Nicolas yo fil toute qualité de job poste pour lui était dans gouvernement refusé. Il te dit la fond moi pas parler. Monsieur prend la presse matin, il dit pas qu'à fond moi pas parler les lois ça qu'a privé les vobs parce que après les vobs c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur courir les derrière c'est que privé. Donc ouais. C'est dans moment ça où est qui moun dans pays là. Renault pas moun. Monsieur c'est intérêt mais qu'un poche lui. L'argent fait comme c'est l'argent seulement qui intéressé. Moi-même, bah c'est vraiment ça. Ça c'est toilette papier hygiénique. Président Jovenel Moïse. Père à son âme. Ancien président Jovenel Moïse. Que nous regrettons Jean criminel. Oui, que nous regrettons ces conditions ça. Et pareil lio prendre. Que nous condamnons. Oui, nous condamnons. Moi-même toujours ouvertement condamné, conditions pareil lio prendre là. Vous comprenez? C'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter mandat fini et puis votons monde pour venir corriger ça illégal fait. 18 novembre, c'est dernier 18 novembre que Jovenel a bien pour le dans le pays. Il n'y a pas bien chance pour l'autre 18 novembre encore. Ce n'est pas comme ça que vous avez fait. Vous avez dû quitter le mandat fini et puis votons monde pour venir corriger ça illégal. Nous là, et Maron, si mon problème souligne, si nous connectons Koulia. Et donc, tant que nous avons dit à l'heure, auditeur, et c'est pour ça que nous avons boumé. Parce que tout autre mafia judiciaire a existé dans le pays, la difficile pour une justice pour le président Jovenel. Et où est toute manœuvre, Matéli a fait, Ariel a fait pour saboter la justice. L'aurait été comme doyen tribunal de première instance, Bernard Saint-Ville. Et puis c'est un juge que Ariel nommé pour le prendre. Et puis, Koulia, nous vient montrer que c'est Ariel qui était nommé juge là. Ou courir le prendre, Jean-Wilner Morin. Et puis, nous baille qui est-ce qui Jean-Wilner Morin. Monsieur qui fait Anama tout non parti politique pendant 4 ans pour détruire le président Jovenel Moïse. C'est même juste ça, Jean-Wilner Morin, avec Frélie qui était dans la radio, Ores Morin, qui a détruit le président Jovenel Moïse, sale caractère pendant 4 ans. Et puis c'est lui-même qui a choisi le dossier. Souen baka les genoux, mafia judiciaire, ça a tapé cassé nous déjà. Et c'est pour ça que nous étions croyés que, jusqu'à ce que tout est greffé, l'IA. Greffier Liam, quoi le dire, Yves Lafortune. Juste ça, qui a été tout greffier pour Capone Nian. Nous pensons que juste ça, est un juge correct, juge Chanlat. Donc, si pays a, et moun ki blanc, qui dit que vous voulez aider pays d'Haïti, si blanc ça, vous pas voulez une manipulation dans le dossier, parce que depuis nous venons découvrir que blanc dans tout le président Jovenel Moïse, nous avons un paquet de manœuvres qui a fait tout. Si blanc, vous voulez aider nous tout bon assassinat ça, vous voulez permettre nous être clair, faut aider la justice pays nous. Et son grand Jean qui a aidé, permettre moi finir ça. Et son grand Jean qui a aidé la justice pays nous, c'est bail aider encadrer juge en la bal sécurité dans cadre enquête nationale qui doit faire maintenant. Parce que problème qui gagne au niveau international, nous fait coopération avec Américain confiance, mais bon réalité tout dans relation internationale que nous connaît. Institution américaine yo là pour défendre l'intérêt national des États-Unis. C'est pour ça, en 1995, enquête soumise à Dioché Bétain pas publié, 15 ans après que le Congrès américain vient déclarer, il publié. Donc, je vous dis, nous voulons que enquête sous président Jovenel Moïse en publié. Parce que le président Biden lui-même était très clair, il est pour démocratie. Le président Biden a dit que le mandat président Jovenel a fini 7 février 2022. Donc, le président Biden est d'accord pour le président fini mandat. Nous connaissons tout en fonction de sa sécurité d'Italia. Il y a des éléments voyous, il y a des qui existent en dans l'institution au Boïsia, qui a réglé l'affaire par eux. Je vous dis, qui blanc qui participe dans tout le président Jovenel Moïse? Ce n'est pas seulement Milat Pétionville, non, qui participe dans tout le président Jovenel Moïse avec quelques mercenaires créoles ou bien deux Dominicains avec Colombiens. Il y a un blanc qui participe dans tout le président Jovenel Moïse. L'opin tweet Jean-Joël Joseph Lan, 6 février 2021. L'on prend tout, rapport télévision américaine fait Rising, qui dit que Gen Blanc tout participe dans tout le président Jovenel Moïse. Donc, je voulais vous dire, 7 mois après, le fait que le dossier ça a été vivant toujours, c'est Goumen Pep Haïtien qui fait le rester vivant. Donc, je dis à si Blanc a besoin de développer la justice dans le pays d'Haïti, c'est des missions bunies, nous et Madame Lali m'échoué. Et bon, je vais être coquin que Madame Lali m'a joué avec nous là depuis 7 mois.
Est-ce que c'est parce que madame Lalime n'en complot tout le président ou bien est-ce que madame Lalime son monde qui raciste? Parce que n'est pas normal que 7 mois après que au fin tout le président, même j'ai été fait dans le pays Liban, conseil de sécurité pour qu'on mette un tribunal spécial pour Haïti, commission interaméricaine ou bien cour interaméricaine des droits de l'homme pour qu'on mette une commission spéciale pour enquêter sur Haïti. Pour qui ça? Pour qui ça? Qui ça madame Lalime a caché? Parce que là, on a tout le premier ministre Liban, conseil de sécurité, te mettons au tribunal, qui t'a identifié tout le monde qui t'a tout le premier ministre Liban, Rafik Hariri. Bon, bah, où t'as discuté? Oui, moi-même, Stanley, moi-même, position pas, moi-même, pas quoi, dans bagage, juge bagage en Haïti. Ouais, je me dis ça honnêtement. Tout le temps, pas un bon nettoyage qui fait dans la justice haïtienne. Au moment de quand elle cabait dire oui moi honnête bagaille petit grand juge qui honnête pas ca faire rien système pourri greffier pourri on nous font déclaration greffier qui doit falsifier déclaration gère mon nèg yo fait signer papier après ça yo falsifier sa contenu donc son bagage qui pourri gon impunité dans la justice nous généralement n'a pas de impunité dans société a impunité dans la justice côté greffier mais comment pour aborder l'auteur de lit comment pour aborder comment vous nettoyez la mafia judiciaire? Nous avons notaire, nous avons tout le monde qui est dans le système, dans son système qui pourri. Moi-même, position, je pense que c'est une bonne chose de fait que FBI est rentré dans le pays, il vient tendre les gens qui sont en prison. C'est une bonne chose de ce que vous mettez pression sur le Premier ministre et que aujourd'hui il fait déclaration la voie dans les États-Unis. Ça montre que le résultat enquête et CNN, les marchés, et que qui fait confirmation tout ça que Stanley a dit que moi-même on sait de l'autre mon a dit dans la société on pas que d'information que nous te connais mais le fait que son média États-Unis qui publié qui baba leur grand audience au niveau international ah téléphone n'a pas encore ouvert téléphone n'a ouvert pour lui OK auditeur et ou mettre ou nous mettre les auditeurs téléphone n'a pas encore ouvert tu gon ti ba technique qui range là téléphone n'a ouvert au niveau États-Unis donc si tu me fais de ça moi même pas que tu fin non 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 bonne soirée dia ou développer non ou développer approche moi qui te fin approche moi oh fini non le fait que yo vinn donner les yo vinn avec yo aux états yo besoin vinn avec aux États-Unis c'est très bon pour quelle raison parce que assassinat président il gagne gros analyse qui pour faire dans affaire communication dans affaire finance forensic dans affaire finance forensic dans affaire électronique communication forensic dans tout un série de niveaux que Bonjour Bob C, bonjour Guerrier du Sol, bonjour Pierre-René Roné, bonjour à tout auditeur auditrice sur boulevard. Mm-hmm. Oui, partagez plus d'informations avec nous là. C'est plusieurs films ou bien un seul? Parce que moi, dans un document, vous partagez avec moi là, dans tweet là. C'est un coup d'un autre film encore. Bah, un petit détail, non? Oui, Guerrier, moi, quoi que. Il y a deux tweets qui sont sortis côté que nous annoncer que rapport que nous avons préparé sous question justement lobbying sur Washington et COP passeport qu'on a utilisé à rapport à l'IPARE et que fin semaine on a présenté et que plusieurs firmes qui ont signé un contrat avec eux et bien pour améliorer d'après ça veut dire image gouvernement et parmi les films, il y a deux justement que nous avons publié dans Twitter, mais il y a au moins 21. 21 films? 21 films. Et il y a deux que nous avons publié, deux derniers. Alors, deux, ça qui nous a dit qui sont dans le mois de février. Il y a un qui sont dans le mois de février, c'est LAG, Latin America Advisory Group. Qui gagne Damien Merlot, qui signe le 7 février, qui se passe là. Et c'est un contrat de $25,000 américains par mois que le gouvernement a payé avec Damien Merlot, qui est ancien
employé, si on s'est employé sur là. Et puis, il y a Louis Salimon, qui a aussi un contrat avec elle. C'était un mois après, excusez, une semaine après la mort du président Jovenel. Lui-même, c'est $200,000 américains pour 8 mois, à raison toujours de $25,000 américains le mois. Mm-hmm. Alors, premièrement, nous t'ai toujours dit ça, que tout contrat ça aussi, hein, c'est mm-hmm. des détournements de fonds, parce que pour un contrat qui est dans la loi haïtienne, il faut que justement c'est ordonnateur qui s'y est, et comme ça, il est destiné à cela. Alors que comme qui est dans l'ambassade d'Haïti à Washington, non, c'est comme taxe passeport, son seul bagage que le doit pour le faire, c'est prendre comme ça, et bien voyer dans DGI. Parce que son copta qui n'est pas de monde qui est bien pour bailler comme ça directement à un lobbyiste. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères et même reconnaître que il était demandé pour tout comme ça qui vient en Haïti et pour le voyer dans DGI. Donc nous voyons que il a continué, malgré notre ça qui était sorti, eh bien le 7 février 2022, il a continué à signer un contrat sous comme ça, côté que. Dernier contrat, c'est $25,000 américains avec FIM et LAG et représenté par Damien Merlot. Mm-hmm. Alors, ça, nous te voulons dire, surtout dans la question ça, nous voulons prendre temps pour nous présenter tout le contrat qui signe dans comme ça et son véritable gagote, puisque nous voulons voir comme qui transfère en Haïti, il n'y a pas même, eh bien, un dixième de comme que yo récupéré Washington, c'est comme passeport que Frais National à l'étranger, bah, il fait qu'il y a mal utilisé. Mais cependant, non, pas tout ça me définit, c'est parce que justement, le Premier ministre Ariel n'a parlé toujours, a dit qu'il y a manqué de moyens. Alors que, je dis, si nous prenons deux contrats seulement, deux salaires, il y en a $200,000 américains, l'autre a $300,000 américains, et pour qui ça, c'est pour garder nettoyé figure du gouvernement à l'étranger. Alors que le gouvernement, si je dis, il a fait travail, et principalement, qui s'est rétabli sécurité, moi, par contre, t'as obligé de payer les gens pour que yo lave figure. Donc, l'offre est $500,000 américains, simplement sous deux contrats à yo, et bien $500,000 américains, d'après, justement, plan de sécurité, il était compte pour te monter unité anti-gang qui t'a dû faire travail, qui t'a dû faire pour que jour si y a quoi de bouquet par Naïda Bar, et bien, Matissan par Naïda Bar, et pays par Naïda Bar. Donc, on comprend que je dis à gagner deux paroles qu'on parle. Une parole pour faire mon domi, disant que, eh bien, pas de moyens, mais notre travail, nous voulons libérer les zones. Et puis, l'autre parole, côté gouvernement, a continué mal utiliser comme passeport, n'a fait pas de monde faire et lobby pour lui, okay? Alors que Haïtien, Haïtienne, il y a kidnappé chaque jour, il y a tué chaque jour, il y a violé. Eh bien, et c'est la fin chaque jour. Et puis, le gouvernement, pour ce problème-là, met côté la plague pour la réfugier par rapport à Atik. D'ailleurs, Atik nous a écrit dans ma manière à l'interview. Eh bien, c'est l'obéissant qui a pris rendez-vous pour écrire Atik. Alors que le vrai problème-là, ce n'est pas Atik dans ma manière. Le vrai problème-là, c'est, eh bien, combattre l'insécurité, combattre le banditisme d'État. Et puis, Radio Pano en Haïti, ça dit, mais qui travaille qu'à fait. Dans le pays, il y a ça, on ne que on l'autre monde qui est à Alba, on l'autre mauvais note. Donc, nous avons montré justement l'hypocrisie qui vient dans le domaine. Et non seulement dans la question gaspillée comme là, mais nous disons responsabilité justement que l'ambassadeur Bouchy lui-même dit non, lorsque la signe des contrats avec des mondes, alors qu'il n'est pas autorisé si elle, non, quoi. Ça nous finit directement dans le DGI. Mm-hmm. Donc, c'est ça qui est le seul. D'accord. Attirer attention, mais en fait, ce maintenant, on a présenté tout rapport par rapport à la question passeport et la question lobbyiste. Mm-hmm. Une petite précision, 21 firmes au palais là, est-ce que c'est sous gouvernement ça, tout contrat ça aussi, hein, ou bien c'est des contrats qui sont signés depuis bien avant? Donc, c'est des contrats qui ont commencé pour nous depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2018, donc sous président Jovenel Moïse? Oui, président Jovenel Moïse. Et il y a une firme qui a remplacé là, par exemple, si vous regardez, il y a une firme Mercury qui était là avant, qui était gagné $25,000 depuis le président Jovenel Moïse par mois. On a remplacé le par LAC, Latin American Advisory Group, représenté par Damien Merlot. Donc après l'assassinat du président Jovenel Moïse, là, combien de firmes que l'État ici, à travers l'ambassade, a signé à Kyo?
on dit sous gouvernance ou bien présidence et Ariel Henry. Après l'assassinat, il y a deux, c'est deux ça que nous avons publié dans tout là. Il y a Louis Salemans, qui a un contrat qui est signé avec de $200,000 américains pour 8 mois. Et il y a Latin American Advisory Group, représenté par Damien Berlo, qui a signé avec le 7 février 2022 là. Lui-même, c'est pour $300,000 l'année, à raison de $25,000 américains le mois. OK. Eh bien, merci un peu, sénateur Yuri. Attention, on a négociation autour, puisqu'on fait partie de comment Akopen, Montana, nous avons une rencontre qui prévoit aujourd'hui ou à présent. Oui, alors, Fandi, première rencontre là, l'hypothèse négociation, première rencontre là, c'était suite à bureau de suivi Montana, qui était mandé, eh bien, rencontré avec Ariel Henry pour implémenter un consensus que rejoigne entre Montana et Penn. Alors, Ariel Henry, dans un premier temps, c'est pas de répondre. Et puis, il vient demander rencontre avec le bureau BSA. Et non, et BSA, c'est répondre à rencontre-là, puisque il est inscrit dans Montana que il doit faire négociation à pouvoir en place-là, il n'y a qu'à avancer. Eh bien, il a été répondu à rencontre-là et il a établi, premièrement, en principe que est-ce que le gouvernement a vraiment besoin de négocier? Le gouvernement a répondu oui, et il dit que s'il a besoin de négocier, il faut établir les conditions de la négociation. Et justement, la condition, ça a eu la première condition, ce n'est pas Montana seulement, c'est consensus Montana peine qui fait partie de la négociation. Gagner en équipe qui a pu augmenter, qui a pu ajouter à bureau de suivi, qui a sorti de peine, que nous avons déterminé jeudi, et qui a commencé, et plus tard, nous rencontrons à 4 heures. Pour que nous puissions déterminer les conditions de la négociation. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans la négociation avec votre gens. Et dès que les conditions sont acceptées, le SAA, bon délai, capaille pour que justement la négociation soit faite. Mais comme base de négociation, c'est accord consensus mandat d'appellement que nous allons aller discuter sur lui. D'accord. Mais merci un peu, sénateur Wilatotch. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Et pour retourner guerrier sous révélation concernant l'agent lobby dans Washington pour faire ou refaire image Ariel Henry, non la cité d'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est ambassadeur haïtien dans Washington Edmond Boschit qui tient contrat saio pour l'État haïtien de contrat qui est illégal selon sénateur Yuri La Tortue nous saute côté là et Koulian nous rejoigne principal concerné à qui c'est ambassadeur Edmond Boschit. Ambassadeur Boschit, bonjour. Bonjour mes chers amis. Tout d'abord, on va permettre-moi de souhaiter une joyeuse fête Saint-Valentin et aussi une excellente semaine. Et moi, j'espère que nous avons passé un bon week-end. Bien entendu, merci pour l'opportunité de souhaiter et réagir rapidement et sans aucune volonté avec quiconque, mais tout simplement pour me apporter quelques précisions. La première précision, c'est que d'un coup, le chef du parti politique l'a dit, et pour que je m'en parasien, rien de Pop Grelly. Et tout ça, pour que je m'en signe au nom du gouvernement haïtien, devenu du ministère des Affaires étrangères, qui a instruction pour le faire. La deuxième précision, le chef du parti politique a parlé de contrat qui signe 6 jours. 7 jours après l'assassinat du président de la République, là, ça a été faux. Et ce contrat a été signé le 22 juin 2021, mais ça a arrivé, la firme elle-même a rempli, ou bien ça l'a déclaré le 15 juillet, c'est-à-dire soit les sous-sites Farah au carreau le 15 juillet. Mais le contrat a été signé le 22 juin. Mais tout document est là. Qui est-ce dans le contrat, ça, ambassadeur? Non, le contrat, je parle de LFPA. Mm-hmm. LFPA. Parce que, forme de ça, film, ça a fait le LFA, il n'a pas travaillé pour nous encore. Depuis que le ministre Ariel a démonté, nous avons fait une révision du contrat. Nous avons résilié le contrat LFA. Nous avons résilié le contrat Mercury.